Ça là, ça fait trois fois j'organise. Ça fait trois fois je fais vidéo ça là. C'est le tome 3. Afin de expliquer moi vos problèmes de cœur, je vais vous dire ce que je pense, Docteur Young. Pour cette fois-ci là même, pour ça là, je me suis dit que Kevin, tu as déjà fait ça deux fois d'un. Est-ce que cette fois-ci il y a des gens qui vont dire des choses? Peut-être qu'ils ont déjà tout dit. Oh. Mais apparemment, ils ont créé l'amour pour vous. Cupidon, c'est votre salarié. Cupidon travaille pour vous, mais vous savez pas encore. Vous êtes le patron, mais vous savez pas. Pour m'expliquer leurs problèmes comme ça, il y en a même qui font trois pages. Vous supportez pas déception, c'est vous qui tombez amoureux. Ça vous loupe. Mais en tout cas, j'ai aimé. J'ai aimé Naruto. Parce que moi, ça me permet de faire mes vidéos. D'avoir mon poil. Donc, venez toujours m'expliquer vos problèmes. Vous voulez conseil, non? Il va vous servir ça. Je vais vous partager ce on dira Rachid. On dira l'arachide du deuil. Générique. Gêné. Coucou les soirées, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, oh. À part que mon œil, ça là, ça a contaminé ça là. Lui là, il a contaminé son jumeau. Donc, les deux sont malades. Je suis encore dans lunettes, oh. Mon cher, ça m'énerve, mais il a fait comment? Je suis obligé d'attraper mon cœur. Oh, c'est à deux, c'est là, vous partez vous-même. Oh, tchè. Je ne sais pas si vous entendez, mais ils entendent en fait, c'est mes voisins. En fait, je ne sais pas si on les entend dans la vidéo ou pas. Eux-mêmes là, ils prennent l'ascenseur là pour faire balayer. Ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. C'est un variétoscope ou bien? Tchè. Donc, je disais que mes deux yeux sont pourris. En tout cas, je vous ai demandé sur Instagram de m'expliquer vos problèmes de cœur. Premier problème, j'ai organisé un anniv de ouf à ma copine. Et à mon tour, elle m'offre un simple t-shirt. Elle t'a loupé. Elle t'a loupé. Quand tu organisais un anniv de ouf, qu'elle t'a demandé? Baba, qui t'a demandé pardon pour faire l'anniversaire de ouf? Chacun donne ce qu'il peut. Si toi, tu as les moyens de faire mon incroyable anniversaire, si tu as le poids pour la faire passer sur MTV, que mon incroyable anniversaire, ça c'est ce que toi tu peux faire. Si elle, sa main arrive dans t-shirt, c'est un t-shirt qu'elle va te donner. Elle-même t'a donné t-shirt, il y en a là, elle donne deux bas deux. T-shirt au moins là, ça arrive jusqu'ici. Deux bas deux c'est ici. Ça finit ici comme ça. Il y en a, elle donne des bas deux. Il y en a, elle donne caleçon, boxeur. Tu entends? C'est qu'elle peut te donner, elle te donne. Donc toi, tu fais quelque chose pour ta go, tu attends en retour qu'elle fasse la même chose. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donnant, donnant au couple. C'est à vous comme ça là. Dès que vous payez biscuit pour quelqu'un, ah, c'est une michto, c'est une michto. Si on fouille bien même, tu es un moteur. Et tu es un bobolisseur. Si on fouille bien même là. Incroyable anniversaire de ouf. Tu dis là, je suis allé regarder ton Instagram, tu es à Abidjan. Hein? Donc quand tu me parles, faut pas me dire de ouf. De ouf comment? De ouf, c'est une expression française. Je sais que tout ce que tu as fait de ouf, moteur de ouf, ouf, ouf. C'est que tu as fait surprise dans un restaurant, on vous connaît. Tu as fait surprise dans un restaurant où tu as invité ses amis et tu as même dit à chacun de ses amis, vous devez cotiser, chacun paye ce qu'il mange. Je sais que c'est ce que tu as fait. C'est ça ton anniversaire de ouf là. Elle t'a loupé. T-shirt là, faut pas porter, faut déchirer. Tu entends? T-shirt là, faut brûler. Regardez-moi ce spécimen. J'ai organisé un anniversaire de ouf, elle me donne un t-shirt. Elle t'a donné, tu as pris non? T'as donné, tu lui as pas dit que je veux pas parce que moi je t'ai fait l'anniversaire du siècle. Toi, tu me donnes t-shirt, tu as pris en plus. Si elle voit sur ton Instagram, tu n'as pas beaucoup d'habits, hein. Tu n'as pas beaucoup d'habits parce que ton même pantalon là, tu es dedans sur 2-3 photos. Regarde, même la chaussure, c'est pareil, c'est les mêmes chaussures. On te donne t-shirt, tu as pas pris, tu as pris, c'est même pas fait de tu as pas pris, c'est que tu as pris. Tu es juste venu faire genre dans mon affaire de vidéo, sinon tu as pris. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'habits là. Même quand tu leur donnes sachet, ils sont capables de faire ça en chemise ou sortir. Tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi? Mon ex et moi avons rompu parce qu'il est musulman et moi chrétienne. J'arrive pas à passer à autre chose. Quand tu n'arrives pas à passer à autre chose, que tu t'as laissé pourquoi? Parce que de toute façon, tu es venu m'expliquer là. Si c'était lui qui t'avait laissé et tu allais écrire que mon ex m'a laissé parce qu'il est musulman et que moi je suis chrétienne. Façon, tu as dit, on a rompu parce que je suis chrétienne et que lui il est musulman. Soit c'est vous deux que vous vous êtes laissé, soit c'est toi qui l'as laissé. Si toi ça te dérangeait pas qu'il soit musulman, tu allais dire, il m'a laissé, il m'a largué. On vous connaît. Mais façon, tu écris là, c'est que c'est toi qui l'as laissé. Ça là même, je comprends pas.
Affaire de musulmans chrétiens là, c'est vous. Ils ont écrit la Bible pour vous. Le Coran, c'est pour vous. C'est vous qui connaissez Dieu que nous tous. Nous qui connaissons pas l'air, on accepte. Mais on sait pas. Moi j'ai une question. Quand tu es chrétienne, toi tu es marié à un musulman. Il peut déposer son tapis de prière. Il va prier. Toi tu peux prendre ton chapelet pour faire ba. Et puis après vous partez dans la chambre. Vous vous mougoussez bien. Vous vous mougoussez comme si vous alliez mourir demain. C'est-à-dire que vous vous mioxez. Vous pouvez faire ça. Et puis chacun va avoir sa religion différente. Parce que moi je veux savoir, quand un musulman marie une musulmane, quand Yakou décide de laisser Ange Christelle pour marier Adja, quand Yakou et puis Adja sont dans leur chambre, il est musulman, il est musulmane, quand les deux sont dans les chambres là-haut, quand ils sont en train de faire, est-ce que Mahomet descend pour applaudir? Est-ce que Mahomet descend pour filmer, pour poster sur TikTok? Je veux savoir, quand Gabriel décide de laisser Korotoum parce qu'elle est musulmane, et puis Gabriel dit que bon, je vais marier Marie-Lux parce qu'elle est catholique comme moi, elle est chrétienne, elle est évangélique comme moi, elle est chrétienne. Quand Gabriel et puis Marie-Lux sont rentrés dans la chambre pour faire vas-y. Est-ce que Jésus revient pour répartir? Depuis Jésus dit il revient là. Est-ce que quand les chrétiens font ça entre eux, est-ce qu'ils descendent pour que... Et puis il retourne. Je veux comprendre en fait. Je veux comprendre. C'est-à-dire vous-même, ce que Dieu n'a pas dit. Vous avez choisi de faire. Ça va vous passer. Parce que tu es chrétien, tu maries chrétienne. Tu penses que tu as le paradis. Si c'est ça là, si tu arrives au paradis, faut boucler. Quand tu finis de boucler, la clé là, faut pas jeter. Faut pas jeter. Si tu jettes, on peut ramasser où? Tu redonnes à Dieu. Tu boucles et puis tu dis que tiens. Et puis il prend. Il reprend sa chose. Parce que si tu jettes, il peut fouiller, il voit, il ouvre. Tu redonnes au propriétaire. Voilà. C'est comme ma maison ici. Le jour est mauvais. Le bouc, je donne la clé au propriétaire. Il n'est pas agité. Parce que si tu jettes, quelqu'un peut rentrer. Il va faire ce qu'il veut. Voilà. Donc ma chérie, je ne sais pas ce qu'elle te dit. Il t'a dit, va là-bas. Va là-bas. Toi et puis lui, allez. Sortez de mon cabinet. Quand j'ai une meuf, par exemple, elle me trompe toujours. Ça là, c'est fort. Quand tu dis toujours, c'est quoi? Tous les jours on te trompe, c'est-à-dire que toi, quand tu te mets en couple avec une fille, peu importe la fille, toujours elle te trompe. Donc toi, depuis, tu as fait amour, on t'a toujours trompé. Faut aller te laver au village. Ils n'ont qu'à aller te laver au village avec l'eau de fidélité. S'ils vont prendre l'eau de Kaimoa, l'eau de Krokodiloa, je ne sais pas. Mais ça là, c'est pas simple. Parce que même si ton Bangala, même si ton Bengalais est petit, on dirait escargot. Toi, tu fais comme et puis toujours on te trompe. C'est que tu es nul. C'est que mais. Waouh. Je suis choqué. Waouh. C'est que tu vaux rien, mon ami. Tu vaux rien. Parce qu'en fait, on peut te tromper. Aïe. Même Beyoncé, Jay-Z l'a trompé. Mais pour dire que toutes les filles avec qui tu te mets en couple te trompent. Il y a des fois à aller consulter, on t'a lancé sort. Parce que même si tu vaux rien dans la chambre, ça... Non, on t'a lancé sort, c'est tout ce que je peux te dire quoi. Faut faire rosé, voilà. Non, tu fais jeune sec. Et ça, je sais pas c'est quoi. J'ai un mec qui m'aimait maintenant et il ne m'aime plus, mais moi je l'aime encore. Attends, elle dit quoi celle-là? J'ai un mec qui m'aimait maintenant et il ne m'aime plus, mais moi je l'aime encore. Attends, il t'aimait, mais... Et faut aller chanter. Tu es bonne pour faire zouk. Faut pas m'emmerder. Ça là c'est quoi? Faut aller chanter, pardon. Ça là même c'est que tu as écrit là. Ça peut faire chanson. Ça peut faire refrain. Amusement à part. J'ai un mec qui m'aime maintenant, mais ne m'aime plus. Mais je l'aime mon cœur. J'ai un mec qui m'aime maintenant, mais il ne m'aime plus. Mais je l'aime mon cœur. Tu vois ce que ça fait, non? Est-ce qu'il va t'arranger? Peut-être qu'actuellement, tu as le tube du siècle dans tes mains, tu sais pas. Faut aller au studio. À Abidjan, dans les studios, là, même 5000, on peut arranger ta chanson. Tu t'en vas chez les arrangeurs Bloconi, là, Troutrouni, là, dans les quartiers, là.
On a arrangé ta chanson, tu as chanté. Parce que ça, là, je ne sais pas c'est quoi. C'est que toi-même, j'ai écrit là, tu comprends. Un mec qui t'aime maintenant, mais il t'aime plus. Comment quelqu'un peut t'aimer maintenant, mais il t'aime plus? Avec ça, il va t'aimer comment? Si la façon dont tu écris, c'est comme ça, tu réfléchis. L'amour ne peut que partir. Parce que moi, tu écris les choses comme ça, mais tu m'énerves. Tu écris les choses comme ça, tu m'énerves en même temps. L'amour s'en va, on dirait, je sais pas. Moi, je voulais sortir avec une go. Vous-même lisez. Moi, je voulais sortir avec une go et une de ses camarades, Papato, lui a prévenu. Moi, je voulais sortir avec une go et une de ses camarades, Papato, lui a prévenu et ensuite, elle m'a dit non. Si elle te disait lui-même, j'allais me demander c'est quoi ses ambitions dans la vie. Si la fille te disait oui, je te veux, j'allais dire yo, pauvre jeune fille, tu ne sais pas ce qu'elle fait. Tu es méchant, tu es mauvais. Tu voulais sortir avec une go, mais sa camarade Papato l'a prévenir. C'est le célibat qui a te tué. Le célibat. Tu as sorti avec le célibat juste quand vous allez avoir 6 enfants. Et tu vas avoir 3 filles, 3 garçons avec le célibat. Quand on vous dit d'aller à l'école, vous pensez que c'est parce que on veut vous tuer. Pourtant, c'est pour vous-même. Façon, tu es méchant là. C'est quelqu'un qui va te suivre. Façon, tu. Ça là, c'est quoi? Ça, c'est. Ça là, c'est pourquoi? C'est pourquoi même? Il te bloque après ma vidéo. Il a retenu ton Instagram. Mauvais type là. Ma meilleure amie et moi, on aime le même garçon, mais il dit il me préfère. Que faire? Genre, c'est Awalé. C'est concours d'Awalé quoi. Vous aimez la même personne, mais il dit que c'est toi il veut. Que faire? Genre, vous êtes tellement meilleurs amis. Tout même chose vous plaît. Même les bangalas. Genre, il sait que toi, tu es fan de lui. Il sait aussi que elle est fan de lui. Et puis, il sait que vous deux, vous êtes les meilleurs amis. Il est beau. Il est beau, mais David Beckham. Leonardo DiCaprio. Son avant-avant. Parce que Leonardo DiCaprio est vilain aujourd'hui. Mais son avant-avant. C'est ça. C'est la qualité là. Parce que je ne peux pas comprendre que deux filles, deux grandes filles, deux cerveaux. Pour une est constipée, pour l'autre à la diarrhée. Vos cerveaux là, pour une est constipée, pour l'autre à la diarrhée. Juste quand vous faites concours, il me préfère, il te préfère pas. C'est le seul garçon. C'est le seul. Ou bien lui, son plantain là, il y a diamant au bout. C'est-à-dire que son plantain là, le jour où tu vas avoir ça dans tes mains, tu vas couper le diamant là, pour aller vendre. Tellement au bout là, c'est rempli de diamants. C'est quoi tu veux faire, faut faire. C'est quoi tu veux faire, faut faire. Il n'y a rien à te dire. C'est vous-même qui faites depuis certains garçons. Pense que, je sais pas, tu as fouillé le vilain. Tu vas fouiller le gars là. Il ressemble à. Tu as fouillé, il ressemble à ça. Pas m'emmerder. Faut pas m'emmerder. Dernier problème. Quelqu'un m'a brisé le cœur et je n'arrive pas à l'oublier. Que faire? Ça fait depuis cet hiver. Faut attendre l'hiver prochain. L'hiver prochain, tu vas l'oublier. C'est depuis cet hiver que tu n'arrives plus à l'oublier, non. Hiver, c'est la même, là. Ce n'est pas bon hiver, oui. Hiver de cette année, là. Ça ne frappait pas trop. Faut attendre hiver 2021. Depuis cet hiver, il t'a brisé le cœur, mais tu n'arrives pas à l'oublier. Faut boire paracétamol. Voyez, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. C'était Kevin, Dr. Love 3. En tout cas, il y aura un Dr. Love 4, parce que je sais que vous aimez ça. J'adore quand vous m'expliquez vos problèmes et j'adore les réponses que je vous donne. Vous avez les réponses, non? Il a toujours vous servi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bisous et puis on se dit à mardi pour une nouvelle vidéo. Bisous les chéris.